السلام عليكم. C'est la première fois que je viens à la librairie Albania. C'est vraiment un lieu intéressant. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont inspirants et on peut trouver de tout. Ce que j'attends d'une librairie musulmane, c'est d'avoir accès à la connaissance, aux interrogations qu'on peut avoir par rapport à l'islam. C'est aussi de pouvoir trouver quelqu'un qui soit à l'écoute. Si on a quelques interrogations, donc voilà, c'est vraiment un lieu qui sent la spiritualité. Ah, voilà un livre de Maurice Bucaille, La Bible, le Coran et la science, qui m'a vraiment permis d'avoir un éclairage plus approfondi sur mes interrogations que j'ai eues par le passé. Et vraiment, c'est un ouvrage que je conseille et qui peut être intéressant à analyser parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de parti pris et qu'il y avait vraiment une analyse pertinente. Donc, je le conseille. Ah tiens, il y a aussi ici mon livre. Donc, c'est pour ça aussi que je suis là et je vous le présente. C'est le cheminement de ma reconversion vers l'islam à plusieurs étapes. C'est-à-dire que j'ai commencé autant que catholique dans une maison à tradition catholique. Suite à ça, il y avait des incohérences que j'ai constatées et que j'ai cherché à comprendre. Donc à travers cet ouvrage, je présente les différentes étapes qui m'ont amené vers l'islam. Alors ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est d'une part raconter mon histoire, qu'elle puisse servir à des personnes qui sont aussi peut-être dans le doute ou dans la recherche, ou même des musulmans qui peuvent avoir envie de connaître le pourquoi. Parce que quand on est musulman, parfois, on peut avoir aussi une certaine incompréhension. On n'a pas été de l'autre côté. Et donc, le fait d'avoir été dans ce côté, on a un regard différent et apporté quelques réponses. Alors, au départ, j'étais censé faire une auto-édition. Mais par la suite, je me suis rendu compte que là, par le cheminement que je voulais faire, n'était pas forcément celui auquel je voulais sincèrement, au plus profond de moi. Donc j'ai cherché une édition qui soit déjà dans la communauté et qui représente un petit peu mon image, qui soit un peu plus à mon image. Donc j'ai rencontré Orims et j'ai vraiment apprécié leur édition, donc j'ai tenté ma chance. J'ai envoyé le manuscrit, j'ai eu une réponse positive. Et ça s'est bien goupillé, donc on peut le retrouver chez Albaina et toutes les librairies communautaires et même autres librairies. Donc je vous le conseille si vous voulez passer un petit moment de lecture, facile à lire, même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Donc lecture fluide, donc n'hésitez pas à vous le procurer.